Bonjour, donc moi je suis Macha Capucine, médium pur. Pouvez-vous me donner votre prénom et votre date de naissance, s'il vous plaît? Mon prénom est Marilène, je suis née le 6 du 6 67. Marilène, et le 6 du 10 67, c'est ça? Le 6 du 6 67, 6 juin. 6 juin, d'accord. Vous venez de vous séparer de quelqu'un ou de perdre quelqu'un là récemment? Enfin, le père de mon fils, on était sur un enfant, entre-temps il avait rencontré quelqu'un qu'il devait laisser tomber, mais non, il ne veut plus la laisser tomber, veut nous garder toutes les deux. Vous voulez qu'on regarde par rapport à cette question, Marilène? Vous me donnez son prénom, s'il vous plaît? Il s'appelle Michel. Michel. Vous m'appelez de quel endroit? Vous m'appelez de quel endroit, Mariette? Marilène, pardon. Bruxelles. Bruxelles, d'accord, ok. Michel, et il est né quand, Michel? Le 14 mai 65. D'accord. C'est 25 ans qu'on se connaît. Ouais, mais c'est pas la première fois qu'il vous joue ce tour-là. C'est pas la première fois qu'il est dans la sélection. Non, moi j'ai un cancer, donc je l'ai laissé vivre sa vie, c'est normal. Bien sûr, d'accord. Mais c'est un homme qui est quand même assez déprimé, c'est un homme qui n'est pas forcément très bien dans sa peau en ce moment. Hein. Même s'il est retourné avec l'autre personne, je ressens quand même qu'il pense énormément à vous, si vous voulez. Ah oui, on a un fils ensemble. Hein. Oui, puis il n'y a pas que ça, il y a d'autres liens. Vous avez quand même fait passer des périodes très douloureuses, des périodes des hauts et des bas, pas mal de bas aussi quand même. Oui, bah oui, la maladie fait beaucoup. Hein. Je crois que c'est malheureusement, oui. Voilà. Pour moi, ce n'est pas un départ définitif. Hein. Je dirais que c'est encore un caprice pour moi. Oui, c'est un homme qui est un peu capricieux, c'est un homme qui a besoin de plaire et c'est un homme qui n'accepte pas de vieillir. Ah non, maman, non. Comme... Oui, peut-être ça, oui, il a peur d'être seul, c'est tout. Ah oui, puis il n'accepte pas. C'est pas un séducteur du tout, c'est elle qui lui a sauté dessus. Et il me raconte tout parce que c'est mon meilleur ami aussi. Il lui a quand même fait les yeux doux. Hein. Ah bah bien sûr. C'est ça que j'appelle la séduction, moi, Marilène. Ah bon? Ah bah oui, pour moi, c'est quand même quelqu'un qui. Il n'y a pas eu besoin de le battre pour qu'il aille dans le lit de la madame. Non. Non, pas exagéré. Exactement. Mais bon, moi, ce n'est pas un départ définitif. Hein. De toute façon, Michel, c'est partir-revenir pour moi, hein, de toute façon. Et moi, je ressens que, bon, c'est quelqu'un qui, bon, déjà, je sens qu'il y a un mois ou deux, je ne le sentais pas vraiment très, très bien dans sa tête, pas très bien dans sa peau. Je sens comme se remettre en question, poser beaucoup de questions, mais je pense qu'il a du mal à accepter, le fait d'arriver vers les 50 ans. Je crois que c'est quelque chose de très compliqué pour lui. Il a besoin de se rassurer. Et puis qu'il ne prend pas une fille de mon âge, qui a 4 enfants. Hein. Non, mais c'est besoin de se rassurer aussi. Besoin de se rassurer. Oui, donc, besoin de revenir vers vous, il en aura aussi besoin, hein, vous savez. Parce que c'est quelqu'un qui ne conçoit pas non plus sa vie sans vous, hein, Bénédicte. Marilène, pardon. Il ne conçoit pas sa vie sans vous. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un, de toute façon, retour, il y aura. Bon, je ne vous dis pas non plus que ça y est, j'ai une baguette magique, ça va arriver là dans le mois qui suit. Ah, mais ça, c'est certain. Moi, je vois quand même une période qui est quand même. Il y a encore au moins. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peut-être dans 7, 8 mois, il va revenir au bercail. Il irait dans 7, 8 mois, il peut rester où il est. Hein, vous le reprendrez parce que vous serez très contente. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Moi, je vais rencontrer quelqu'un d'autre alors, à ce moment-là. Mais non, parce que justement, ça fait 4 ans déjà que je suis seule. 4 ans. Oui, j'ai vu que ça faisait déjà 8 ans. Vous imaginez que c'est 4 ans. Mais moi, pour moi, je ne vois pas. Donc, alors, je ne comprends pas pourquoi elle a recouché avec moi depuis 2 semaines pour après me dire. C'est un homme, Marilène. Il est à part des autres, justement. C'est pour ça que je l'ai aimé aussi longtemps. Ah, ils sont toujours différents quand c'est des nôtres, vous savez bien. Hein, on ne voit que leur qualité. On est 12 enfants, je vois bien autour de moi. C'était le seul qui ressemblait le plus à mon père. Fidèle, travailleur, j'avais jamais eu de tromperie, bazar et tout. Sauf bien sûr les 8 ans que j'ai été très malade, que je lui ai dit d'aller à boire ailleurs. C'est moi qui lui ai dit. Moi qui lui ai permis d'aller à boire ailleurs. Oui, je comprends. C'était la chose à ne pas faire, certainement. Mais bon, vous l'avez fait. Bon, alors c'est peut-être moi qui me trompe dans le temps, mais moi je ne peux pas vous dire qu'il ne reviendra pas. Alors peut-être que c'est dans 9 jours, 9 semaines, j'avais le chiffre 9, donc je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui vois mal le temps, qui n'arrive pas trop à le calculer. Mais en tous les cas, ce qu'on me montre, c'est qu'il reviendra encore vers vous, Marilène, et que vous le réaccepterez encore dans votre vie. Parce que dans l'immédiat, je ne dis pas. Oui, si c'est dans l'immédiat, oui. Dans l'immédiat, je ne vois pas d'autres rencontres pour vous, en tous les cas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre au bout de la route, mais pas tout de suite encore. Oh, il y en a plein, des vautours, il y en a plein. Oui, mais il y en a pour vous savez très bien aussi l'histoire d'un soir, vous savez, les hommes. Hein de ce côté-là, je suis d'accord. De ce côté-là, je crois que vous connaissez aussi bien la vie que moi. Hein. Mais Michel est quand même malheureux sans vous. De toute façon, il est avec vous, il n'est pas forcément heureux. Il est avec l'autre, il est très malheureux. Il ne sait pas très bien exactement ce qu'il veut.
Sauf que je sais qu'il a encore des sentiments pour vous et que, ah bon, oui, mais ça, ce sera et que horrible, pour moi c'est pas forcément c'est la première pas la première fois qu'il le fait. Ce sera certainement la dernière parce oui, que. Oui, mais vous... je n'étais plus avec quand il a fait. Non, je sais, je sais, mais vous l'avez permis, donc c'est logique. Hein. Voilà. C'est comme... ah, oui, quand on se sent bon, partir, je... on se sent partir moi, dans la rémission. Je vous le dis quand même sincèrement, il y aura un retour. Hein. Il y aura un retour. D'accord. Ça va, c'est bien. Okay. Je vous souhaite une agréable journée et puis une bonne continuation à vous. Au revoir, Muriel. Au revoir.